Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous avais dit, là, j'allais vous montrer tout ce qui est préparation de meal prep pour ma semaine. Je sais que je reçois tout le temps bien des questions là-dessus. Qu'est-ce que je mange, comment je m'organise, quelles recettes, etc., etc. Je ne mange pas de viande, donc moi je suis pescétarienne qu'on appelle. Donc je mange du poisson seulement depuis plus que quasiment 6 ans déjà. Présentement, à chaque janvier, je commence plus des programmes style prise de masse. Fait que je vais pas être du genre à calculer super gros mes calories ni mes quantités, je vais juste manger à ma faim. Évidemment, des bons aliments. Ok, donc l'étape 1, c'est toujours de regarder mon agenda de la semaine. Ça aussi, c'est quelque chose qui me revient tout le temps en story. Jess, c'est quoi l'agenda que tu utilises, les codes de couleurs et tout. Ça fait plein de fois que je vous le dis, mais c'est Google Agenda que j'utilise. Et puis, tous les codes de couleurs, là, c'est que vous pouvez créer des différents agendas comme vous voyez ici. J'utilise ça au travail, donc c'est pour ça que vous voyez comme cils, etc. Là, c'est pas moi qui fais ça, c'est juste que j'ai accès à leur horaire aussi. Fait que là, c'est le retour, première semaine de janvier. Horaire quand même assez plein, je vous dirais. Et puis, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais regarder premièrement si j'ai comme des dîners meetings, si j'ai des soupers à l'extérieur. Comme ça, je gaspillerai pas de nourriture. Mes meals, je les prépare du lundi au vendredi midi. Parce que les vendredis soir et samedi, je suis généralement avec des amis. Je vais aller sur un Pinterest et sinon, je regarde dans des livres des fois que j'ai ici. Là. Ceux-là, je les ai redécouverts récemment en faisant du ménage puis il y a des petits trucs qui ont l'air super bons. Je vais souvent choisir environ 2 sortes ou 3 sortes de dîner puis 2 sortes de souper aussi que je vais répéter comme si je le mangeais 2-3 fois durant la semaine. Et puis pour déjeuner, je me trouve tout le temps au moins une recette qui est une recette rapide à manger, ce qui veut dire que exemple, mercredi et vendredi, je commence le travail à 7h30 le matin. Fait que il va me falloir un déjeuner on the go. Puis où est-ce que j'ai pas le temps vraiment de cuisiner quelque chose. Donc là, c'est quelque chose que j'ai trouvé aussi. Il est rendu 2h et puis JS est dans les plans de maison depuis ce matin. Il fait tout à la main comme un génie. Fait que ça, c'était sûr à la base qu'il avait choisi. Puis là, il est en train de le faire tout à la main. C'est comme quand même une vraie échelle que tu fais, non? C'est ça? Mm-hmm. Ouais. Fait qu'il est là-dedans depuis ce matin. Et puis moi, comme tantôt vous avez vu, j'ai préparé mes idées de recettes, j'ai trouvé le souper pour ce soir, je me suis lavé les cheveux. Pendant ce temps-là, moi je joue à mon petit... mon petit point faible en ce moment, ce qui est Mario Odyssey. Fait que... C'est avec la Nintendo Switch, puis là je me rends compte. Est-ce que je devrais enlever mon sapin de Noël? C'est beau! Là, il y a Ellie ici qui fait dodo dans sa petite couverte. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon nouveau jeu préf en ce moment. C'est vraiment, vraiment cool. Puis, c'est ça. Pour ceux qui veulent le savoir, c'est Mario Odyssey. Là, je reviens d'épicerie. Puis, je me suis dit, j'allais vous montrer un peu ce que j'achète. Il y a bien des choses que c'est des trucs qu'on a dans notre frigo comme constamment, de façon quotidienne. Là. Beurre de peanut, naturel par contre. Comme ça, on évite tout le sel. La farine, j'en avais plus. Farine blé entier encore une fois, puis ça c'est juste pour faire des muffins tantôt. Canne de thon, super pratique si t'as rien à manger, il y avait des crinclins, du hummus, du fromage, je disais, c'est mon chat souvent comme collation. Des champignons pour un sauté que je vais faire. Ça, c'est le lait que on prend depuis presque 3-4 mois. Là. Moi, je suis intolérante au lactose, les amandes, je suis allergique, donc du lait d'avoine, ça marche pas non plus. Fait que le lait d'avoine de cette compagnie-là, vanille non sucré, il est vraiment, vraiment écœurant. Un peu de légumes, encore une fois, pour le speed ce soir que je vais vous montrer, c'est un espèce de bol taille Bouddha. Des pâtes. Chacun de mes meal prep consiste à avoir une sorte de pâte. Pourquoi? C'est que je fais comme de 2 à 3 leg day par semaine. Puis j'aime ça manger des pâtes avant, si je mange avant ou après. Je trouve que j'ai plus d'énergie puis je récupère mieux aussi parce que c'est des vraiment super gros workouts que je fais. Puis pour éviter de prendre tout plein de glucides, ben, j'aime vraiment cette compagnie-là, c'est Gogo Quinoa. C'est dans la section bio, organique. Chez Métro, souvent dans l'autre épicerie aussi. Puis cela, c'est fait avec du quinoa et des lentilles, fait que c'est vraiment meilleur pour la santé. J'ai pris des graines de chia pour un espèce de déjeuner que je vais faire aussi. Des œufs, beaucoup, beaucoup, parce que je vais faire une quiche. Et puis,
Ça, je voulais vous en présenter. Ben, vous le présenter encore. Je vous en ai déjà parlé auparavant, là. Mais c'est le fromage Allegro. Pour ceux qui sont fanatiques de fromage comme moi, puis ben, tu sais, on sait tous qu'il y a du fromage, c'est super gras, il n'y a pas de protéines, c'est vraiment nourrissant. Mais ça, c'est super. Comme vous voyez, il y a 10 grammes de protéines. Et ça, je pense que c'est par 30 grammes, fait que c'est vraiment cool. Généralement, 30 grammes, c'est une portion de collation, là, justement. Sans lactose non plus, ce qui est vraiment cool. J'ai la quiche, j'ai des muffins au beurre de peanut banane, un sauté aux champignons, ma sauce de pâte et mon petit déjeuner comme ça. Puis, j'aurai aussi le souper ce soir qui va faire des restants pour des lunchs de la semaine. Moi, je fais des meal prep depuis quasiment 3 ans. Puis ça, c'est dû à mon chum, JF, parce que lui, il en fait depuis comme, depuis vraiment super longtemps. Puis quand je l'ai rencontré, il m'a mis là-dedans. 5 ans. Puis je vous dis, comment est-ce que c'est gratifiant de commencer sa semaine avec tout plein de repas qui sont, un, bons pour la santé, qui ont pas tant coûté cher. Là, justement, mon épicerie, ça m'a coûté moins de 100$ cette semaine. J'avoue que j'avais une coupe d'affaires encore qui restait. Fait que vous évitez les restos quand vous avez pas le temps de vous faire à manger ou quand vous êtes on the go. Puis c'est ça, c'est bien meilleur pour la santé. Et ça vous fait économiser à la fin du mois aussi. Fait que c'est ça là-dessus, je mets de la musique, je me suis pris un petit drinky. Oh mon dieu, je suis coûtée. J'ai enlevé une skillette qui m'a rentré dans les cheveux. Il est rendu 5h30. Puis, ça m'a quand même pris du temps parce que j'ai un peu niaisé puis j'ai fait des trucs entre. Puis, oubliez pas que si vous voulez que ce soit encore plus rapide, vous pouvez faire ça ben simple, genre un sans viande, des saucisses, du poulet avec des légumes puis du riz, tu sais. Sauf que les dimanches, j'ai le temps puis j'aime quand même ça faire des trucs plus fancy, si je veux dire ça comme ça. Pis que j'enjoye vraiment beaucoup, fait que je vais vous montrer ça. Ah, oh, c'est mon espèce de sauté aux champignons. Donc, il y a du couscous champignon sauvage épinard que j'ai tranché, du pesto, et j'ai fait tout cuire ça dans de l'huile de coco, fait que c'est déjà plus naturel. Ici, j'ai mes petits déjeuners rapido presto quand je me lève tôt, fait que ça a l'air pas trop bon vu de même. Mais c'est des puddings au chia. Fait que ça, faut absolument laisser gonfler, si on veut, là, dans le frigo pendant plus que 2-3 heures. Fait que quand on les fait les dimanches, ben c'est bien pour toute la semaine. C'est juste des graines de chia, du lait, pas de cacao, beurre de peanut et des bananes sur le top. En passant, toutes les recettes, je vais essayer de les mettre en barre d'information, le link vers Pinterest. Si c'est dans mon livre, je pourrais pas, mais je vais essayer de marquer le plus que je peux. Ici, j'ai mes pâtes, même simple, juste pâtes, tomates, fromage pour mes leg day. Et j'ai ma quiche qui sont full bonnes. Donc, œufs, asperges, fromage de chèvre. Et pour finir, ce qui sent full bon dans tout le condo, c'est des muffins. Donc, les muffins banane et beurre de peanut. Ils ont full gonflé, ils ont pas collé pantoute. Je suis vraiment contente. Puis j'ai mis quand même. En fait, la recette va être en barre d'information, sauf que j'ai rajouté 2 scoops de protéines pour que ce soit encore meilleur pour la santé. Alors, voici notre souper. Fait que c'est un genre de bol thaï, comme je vous avais dit. Il y a du quinoa dans le fond. J'ai mélangé des légumes, donc des carottes, piments, champignons et edamame que j'ai fait cuire dans une poêle avec un affaire là, que je vais vous montrer parce que on en met dans, honnêtement, tout. C'est ça ici. Fait que c'est un mélange d'ail, d'huile et piment chili. Attention, c'est quand même épicé. Mais c'est super bon quand vous faites de la nourriture qui est justement le thaï asiatique. Fait que j'ai fait cuire mes légumes là-dedans, mais de l'huile. Un petit peu de sirop d'érable aussi. J'ai rajouté du genre de chou radis rouge comme ça pour un peu plus de crunchy. Des graines de sésame.
Et puis la sauce, c'est beurre de peanut, vinaigre de riz, quelque chose. Je mettrai la recette en barre d'information encore une fois. Fait que là-dessus, on va boire un petit vino et on va aller écouter un film. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci d'avoir écouté et on se revoit demain. Bye!